Journal d'enquête, 38e jour. Une fois de plus, j'aurais pu me vanter d'avoir tout vu, d'avoir tout vécu. J'aurais pu me dire que les choses n'étaient pas si compliquées, que cette Hillary avait les réponses que je cherchais, et que tout serait bientôt terminé, que la lumière serait bientôt faite sur tous ces mystères. La vérité, c'est que je n'étais pas prêt. Qui aurait pu l'être de toute façon ? Je pensais trouver la lumière, je ne trouvais que l'ombre. Cette fois, c'est accompagné d'une lourde escorte des aigles du 6e de Saint-Joven que je partais sur Oakby. Des aigles, mais pas seulement. La colère, la frustration, le doute étaient aussi du voyage. Camarades indésirables dans mes pensées déjà bien entremêlées. Les moteurs de la Valkyrie vrombissaient et nous partîmes dans un concerto de crissements plaintifs et de claquements inquiétants. Comme si cela ne suffisait pas, le membre du cœur astropathique de mon vaisseau, qui s'était joint à moi, fut pris à mi-descente d'une sorte de crise de démence. Il se mit à hurler, comme un condamné qu'on servirait aux flammes, gesticulant de toutes parts comme une nuée d'insectes pris dans un phare. C'est lorsque ses cris déchirèrent ses cordes vocales et qu'il entreprit de s'énucler de ses ongles longs et sales que Meronto l'abattit d'une balle dans la nuque. Et ce n'était là que le début de l'horreur. Les moteurs de la navette toussèrent lorsqu'ils traversèrent un nuage marron des plus inhabituels. Lorsque je tentais d'en comprendre la nature, j'aperçus un aéronef aux formes acérées d'un blanc os. Il se positionna sur notre aile, je n'eus pas le temps de le détailler qu'il accéléra en un éclair de lumière et sa vitesse fulgurante nous donna l'impression d'être parfaitement immobile. Nous approchions de notre destination et les nuages se faisaient de plus en plus fréquents et de plus en plus épais. Cela aurait dû nous alerter. Nous allions tenter une approche plus directe afin de savoir exactement ce qui se tramait ici. À proximité de la zone cible, je vis deux des aigles sauter de la rampe du Valkyrie avant de découvrir avec effroi, une seconde plus tard, que ce n'était pas une dune d'oxyde ou un bloc de roche qui était sous l'appareil, mais une marée de chitine. Des organismes tyrannides de toute taille grouillaient littéralement en bas. Alors que dans les airs, les aéronefs blancs avaient entamé une joute mortelle avec un organisme ailé de la taille de notre navette. Certains d'entre eux, aussi gros que des chars, lançaient vers nous des hurlements bestiaux lorsque nous survolâmes la zone. Les plus petits individus tapissaient le sol, alors que juste au-dessus, de grossières créatures portées par des ailes de cuir créaient de minuscules tourbillons de brouillard de spores devenus omniprésents à chacun de leurs mouvements. Ce fut la première fois que je pus observer de si près des tyrannides sur le terrain, et le spectacle n'était pas des plus avenants. À bonne distance, de rapides engins tournaient et viraient tels des groupes de prédateurs attendant le bon moment pour frapper. Des esquifs drucari, du même blanc que les appareils croisés lors de notre descente, étaient entourés d'individus à demi nus montés sur des plateformes antigraves. Je ne pus m'empêcher de remarquer une femme à la chevelure d'un bleu éclatant au milieu de leur rang. Sa beauté contrastait avec le chaos environnant, alors même qu'elle adoptait une posture martiale des plus élaborées. Je ne sus jamais qui était cette déesse de guerre. De là où nous étions, les combattants drucari semblaient calmes et sûrs d'eux, opposant de graciles mouvements à un océan de chair et de crocs. Oakby était sur le point de se changer en zone de guerre, et cette fois-ci, j'étais bien décidé à ne pas rester les bras croisés.